Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le let's play de Zelda Skyward Sword. Let's play enregistré en live, donc là vous avez droit à la version épisodique, c'est infiniment moins long. Je remercie toutes celles et tous ceux qui likent, partagent et commentent les vidéos sur ma chaîne. Merci infiniment parce que c'est grâce à vous que la chaîne continue de grandir. Donc merci de tout cœur. Sur ce, bon visionnage. Non, attendez, avant d'y aller, je vérifie un truc. Je pense que je vais repasser ici avec une orbe. Avec un chronoglobe. J'imagine. Ok. Salut. Un tas de scorpions. Un beau petit tas de scorpions. Là. Tout le monde avait un tas de scorpions. Hé, hey, oh, oh, oh! On va pas commencer comme ça. Maître, regardez. Ah. Il y a ici une grande porte, toutefois elle semble verrouillée. Il est probable que ce soit la porte d'une pièce importante. Oui, vu la serrure, c'est sûrement même la porte du boss. A priori. Alors là, c'est la fête du coffre. Faut que tu chopes du gravier dans un coffre. Le cauchemar du gravier d'hier. Anthony était à bout, hein, le pauvre. Il n'en pouvait plus. Hein. Sale bête. Suivre, je vais me flinguer déjà. À force que je trouve des graines, hein, parce que j'en ai plus depuis un moment en plus. C'est un peu dégueu. Donc, ça commencerait par le bas, j'imagine, d'avoir la suite ici, il doit moyen d'avoir deux, ouais, ils sont tous. Alors, donc bas, au secours et au secours, très bien. Dans quel sens c'est censé se regarder? Est-ce qu'il y a un haut? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit par là c'est le haut? Ça sera regarder dans ce sens-là, j'imagine. Donc, a priori ça serait gauche, droite, bas, gauche. On va essayer. C'est ça? Bon, lui c'est le 4. Bon, ok. Gauche, droite. Gauche, bas.
On va essayer. Gauche. Droite. Gauche. Bas. Alors, je suis déçu ? Eh ben oui. Apparemment, est-ce que ça soit donc dans ce sens-là ? Ce qui ferait bas. Ou. Bas. Bas ou bas à droite. Facile. Non, mais non, calme-toi. Comment on reset ? Vas-y, reset, on s'en fout. Voilà. Et c'est là que ça tombe sur le bon truc. Oh. Voilà. C'est ça. Coucou étoile. Comment tu vas? Ok, qu'est-ce que je trouve de bien? La petite clé. Très bien. Tui. C'est pas pour aller là. Je dois bien avouer que je n'ai pas vu. Je me souviens pas où est la porte avec la petite clé. Est-ce que je l'ai croisée quelque part? Elle est là? C'est ça? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça doit être un étage où je suis pas encore allé. J'imagine. Moi, ça va très bien, étoile, je te remercie. Alors, je suis sur Zelda, ça peut pas aller mieux. Moi et mes Zelda. Est-ce que j'ai croisé une porte qui avait besoin d'une petite clé? Il n'y a pas de souci, étoile, t'as pas à t'excuser. Et on a tous des trucs à faire dans la vie, ne t'inquiète pas. Tu n'auras jamais à t'excuser d'être pas présente ou quoi que ce soit, ne t'en fais pas. T'inquiète. Wait. Bon, là, il y a une salle derrière. C'est ici. Mais c'est bloqué. Voilà! Alors j'en viens en arrière, je sais pas si c'est le bon plan. Il me faudrait aller au moins 3. J'imagine. Des copines. Et là-bas, c'était un simple couloir. Hein. Je suis pas fou. Il n'y a pas de porte ici. A priori. Ok. Ça, c'est bloqué. Ici, je peux pas y aller. Sur 100%. Ça, c'est la grosse clé. Là, il y a une salle avec tous les coffres. Là-bas, j'y suis allé, j'ai tout pris. Ici, il y aura un passage. Ah ouais, ça doit être là. J'y accède par là. Contre le banni. Bonne chance. Je sais plus où je vais.
Si je passe là... Ma foi, elle est là, donc. Allons-y. Je vais réessayer ça, peut-être que maintenant ça va l'ouvrir. Je dis de la merde, probablement. À moins que... Est-ce que je vais pas récupérer l'arc par hasard ici? Et à mon avis, ici. Hein. Il y a des chances. Quoique non, j'ai déjà récupéré le grappin. Voilà! Ça va. J'ai déjà donné. A priori, c'est ici. C'est exact. Oublie-moi. Et donc, ici... Mais c'est fermé. Bordel. Est-ce qu'il n'y a pas une chronolite ici? Wait. A plus étoile, et merci d'être passé. Tweet, 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 Ici avec que le coffre, on est d'accord. C'est un oui. Allez, les donjons de ce Skyward Sword font partie vraiment des meilleurs donjons, tout Zelda confondu. Il y a vraiment les meilleurs donjons dans ce Zelda là. C'est pas que les meilleurs, mais il y en a de très 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 bons, véritablement. Calmez-vous. Poète, poète, poète. Donc ça, c'est pas du tout la petite clé. Réfléchissons. C'est peut-être au-dessus. Hein. On va remonter, tant pis. Je suis plus là après. Mais oui, c'est clair. Sur ta souffleuse. Ah, et la lumière au-dessus, il y a moyen de tomber là-dedans. Oh, je suis idiot. Oh, vache. Ah, on va lever la caméra pour la ciné.
Pas du tout. Y'a rien. Si. Voilà Captain Bobby. Voilà. Allez, ça dégage. Ou pas. Oula! Ciao. Oh, oh là là. J'adore comment Link il en fait des tonnes. Ok. Maître, je possède une information au sujet de l'androïde que vous venez d'affronter. La probabilité qu'il s'agisse de l'un des pirates dont parlait le capitaine est de 99%. La ténacité dont il a fait preuve pour survivre pendant toutes ces années est surprenante. Ouais, bah écoute. Pouet, pouet, pouet. Vous avez obtenu l'arc. Vous pouvez tirer sur des cibles distantes. Vos flèches infligeront d'importants dégâts. C'est d'accord. Maître, fais au rapport. Concernant le nouvel objet que vous avez obtenu, l'arc. La tension de l'arc donne à vos flèches une grande puissance d'attaque, où il vous permet d'atteindre des cibles éloignées. Si vous pouvez vérifier son mode de fonctionnement, si vous voulez vérifier son mode de fonctionnement, appuyez sur la droite après avoir sorti votre arc avec ZR. De plus, vous pouvez activer les mécanismes spéciaux en les frappant d'une flèche. Très bien. J'ai pu repérer un mécanisme de ce type sur le pont du navire. Il semble très difficile de les atteindre d'ici. Je vous recommande de retourner sur le pont. Oui, madame. Voilà. Ça, c'est fait. Nous revoilà, mais cette fois-ci avec l'arc. Et ça, c'est bien. Alors, on va gagner le petit cœur. On va refaire une sauvegarde. Parce que c'est gratuit. Et on va continuer. Allez, merci. Je vais redescendre en bas avant d'aller sur le pont. Et oui. Peut-être pas le bon plan, mais je vais le faire quand même. Je pense que ça va activer le chronolite d'aller sur le pont, je suppose. Parce que tout ça va prendre vie, j'en suis certain. Malgré tout, j'ai repéré une cible sur les pièces ici, là. Donc je suis fatigué. Ouh, je suis fatigué. Ok.
Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Salut. Est-ce que c'est useless de venir ici maintenant? C'était un escape. Ok. Alors, est-ce qu'il faut que je souffle là-dedans? Souffle. Ouais. Ça sert à rien. En tout cas, pas pour l'instant. A priori. Ça sera pour plus tard, je suppose. Ah! Je vois. Ah! Très bien. Ok. Alors, attendez, juste une seconde. Non. Calme-toi, calme-toi, Link. Parce que ça marche pas, évidemment. Non. Ok. Bon, je m'en fous, au moins c'est ouvert. Ok. Oh là là. C'est le gros coup de fatigue. On y va. Est-ce qu'on me fait d'entrée? Je pense que oui. Hein. Ah. Maître Link, fais au rapport. La probabilité qu'il s'agisse d'un chronolithe est de 90%. Je vous conseille de trouver un moyen de le frapper. Il est probable que cela provoque un grand changement dans ce navire. TKT bébé. Tweet, tweet, tweet. Voilà, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, le mec qui se réveille, il fout le bordel. Sur qui tu tires, toi? Oh! Eh ben, il fera moins sur moi. Ah, il me file des flèches. C'est pas beau, ça? Eh ben, du coup, on va flinguer ses potes. Ça l'a tué? Ouais. C'est gratuit. Allez. Oh, les flèches ont disparu, j'ai de me flinguer. Alors, je pourrais grimper là. Ce que je vais faire de suite. Je ne sais pas pourquoi, mais je le fais. Calmez-vous, calmez-vous. Ok. 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 Ah si. Je crois que ça l'avait pas tué. On
Entre les yeux ou bien? Dans l'œil. Donne-moi des flèches. Ah, pas du tout. Ok. Oula. T'accrocher Bob, merci. Pardon, excusez-moi. Oula. Vive le parabole. Oh, j'étais pas venu ici. Ok. Pouette, pouette, pouette. Ah, je voulais le faire accélérer, mais pas du tout. Il a pas voulu. Est-ce que j'aurai le temps de boire avant d'arriver en haut? C'est un oui. Ça fait du bien. Est-ce que j'ai assez de flèches? Trois flèches. Est-ce que ça va pas être un peu tendu du cul? On verra bien. Il y a des tonneaux, c'est probable qu'il y ait des flèches à l'intérieur. Oula, calme-toi. Link, bravo! Mon navire a retrouvé toute sa splendeur. Ça fait plaisir. Maintenant, il faudra que tu libères les membres de mon équipage. Il y a une cellule dans le navire. Ils doivent y être détenus. Ok. Moi, j'ai trop peur. Je vais attendre dans le bateau. Je compte sur toi. TKT bébé. Donc si je passe par là, je redescends, j'ai pas envie. Enfin, en tout cas, pas comme ça. Je voudrais aller là. Descente. Salut Raloufa! Comment tu vas, mec? Des bombes? Ouais. Ouais, bon, je vais très bien, Raloufa. Aucun problème. Je suis sur Zelda, donc mon cœur est en joie. Salut frérot! Des fléchouilles, est-ce qu'il y a autre chose? Tiens, 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 pour faire descendre une barque? Est-ce qu'il faut que je le fasse maintenant? Que ce soit maintenant ou pas, c'est fait. Peut-être il fallait que je sois dessus. Eh, ça m'étonnerait pas. Peut-être fait une connerie. Hein. On verra. Est-ce que si je me mets... Ah, je peux pas grimper dessus. Dommage. Excellent, Saraloufa, bravo. GG à toi, mec. Cette porte est fermée à clé. Oui, je m'en doutais un petit peu. On passe mytho, on va passer par là.
Allô, 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 c'est fermé. Ah. Est-ce que je peux voir ça me pétait la gueule. Ah. On sort par ici, je pense. Je vais sûrement devoir retourner dans le navire.